Et nous revoici pour la suite de la vidéo. Alors du coup on n'est pas le lendemain parce qu'il a voulu prendre un jour de repos là le tcho. Bah ouais, mais on est le surlendemain du coup et on est on commence la petite séance bah, jambes en tout finalement il n'y a grosse pas séance. Que. Grosse séance. Je suis fatigué, je lui ai dit deux claques dans le dos, c'est reparti. Voilà. Moi je prends pas de pré-workout mais je prends des claques dans le dos apparemment. C'est très bien, très très bien. Donc ouais, petite séance ischio, quadri. On commence par les adducteurs sur la flex. Et puis après on va enchaîner, de toute façon on vous filme tout. Voilà. Retiens. Ouais ouais. Bodybuilder souple. Le grand écart sur scène, on connaît. J'aime pas cette pose. Trop moche, ouais. Tu dis si tu veux que je t'appuie, hein. N'hésite pas. Donc machine flex. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas, ben, vous voyez la position là, de gynécologue là, donc jambes tendues, bien plus efficace que les machines que vous avez classiques, que vous retrouvez partout en salle là, qui font maintenant. Ça c'est le top. Mais voilà, Flex c'est une marque qui a ben, disparu maintenant. Ça n'existe plus. Hein, j'en profite pour ceux qui n'ont pas lu la méthode de Lavier 2 que je peux vous conseiller d'ailleurs. Pourquoi bosser les adducteurs en bodybuilding, bah déjà cuisse de face, monsieur Duty va confirmer, mais adducteur quand tu es cuisse de face, bah, du coup ça te fait des cuisses beaucoup plus larges. Moi ça fait quasiment la moitié de la cuisse. Voilà, ça fait la moitié de la cuisse. Et en plus de ça, ça aide à pousser les ischios vers l'extérieur. Donc tout intérêt à bosser vos adducteurs, sans parler bien sûr. Anatomiquement, on parle d'adducteurs, mais il faut savoir qu'il y a 5 muscles dans les adducteurs, petit, moyen, petit, grand, long adducteur. Pectiné, gracile, 5 muscles. Donc les adducteurs, c'est beaucoup de muscles. Qu'est-ce que je rajoute à ça? Tiens, c'est bon, je ne rajoute rien. Voilà, je repars. Allez, bisous. Bon, allez, suite de la séance. Le main exercise de la séance. Romania deadlift ou SDLD, enfin bref, vous avez compris. Bah, go mourir, quoi. Allez. On a fini la gamme montante, c'est parti pour la première série effective de Vincent, 190 kg. Il a des très belles chaussettes au passage, flamant rose. Allez! Une. Deux. Trois. Quatre reps. Allez! La technique parfaite. Encore une. Ça clique. Un petit ressenti. Ça clique. T'as les yeux explosés. Faut préciser aussi que là c'est une barre, donc c'est la barre Guenir. La barre avec les circlips automatiques là-bas, le ressenti, bah, Vincent, on en a bien parlé, mais ouais, ça n'a rien à voir avec une barre classique. Je sais pas si tu l'as senti là, avec ton poids effectif. Mais moi j'ai l'impression que je suis dur. Ouais, ouais, ouais. La barre ne supporte pas. Ah ouais, non, c'est hyper raide comme barre. C'est
c'est bien. Mais c'est bien, ouais, c'est bien. Bon, là, moi, bon, vous vous doutez, moi, je suis pas à 190. Hein. Ah, chaud. Il y a encore accroché à la barre. Ressenti ? Ressenti, ben, n'arrêtez pas de faire du déclic pendant un moment. Sinon c'est chiant. Ouais, sinon c'est très chiant. T'as eu mal au dos ou pas du tout ? Ça va, j'ai bien engagé, mais ouais, quand même un petit peu, je sentis. C'était plus que la prog que j'avais déjà prévu de base, donc... On se challenge aujourd'hui, c'est bien. C'est parti. C'est parti pour le back of set, le premier de Vincent. Donc il a fait son top set à 190, là on est redescendu à 160. Et bah, road to échec, hein, j'ai bien l'impression. Allez, gros! Ah, super ça! Ischio toujours sous tension. Le petit reste pause et on va chercher une ou deux reps supplémentaires. Oui. Deuxième reste pause. Super. Allez. Ça n'a pas arrondi le dos, c'est bien. Allez, sans engager les jambes. Oui, oui. C'est beau. C'est beau. Il a fini tout rouge. Tu sais qu'à la dernière, je n'ai pas trouvé. Ben ouais. La dernière. En fait, quand j'ai accroché la véla, je savais pas si je pouvais lancer avec. J'ai pas trouvé, je vais tout voir. Bon, c'est bon, j'ai arrêté de compter. Je sais pas combien de temps il a fait, mais j'ai arrêté de compter, mais c'était pas mal. La dernière, elle m'a... Ouais, la dernière, t'as détruit, parce que là, t'as engagé zéro les jambes. Là. C'était que du... que de l'ischio. Bon, appelle le lombaire aussi, je pense, ouais, mais... ouais, la dernière, ouais. C'est dérouillé. Ouais. Par ego. C'était pas de douleur, quoi. Non, ça va. Mais putain, quand j'ai compté, ouais. J'allais faire... Youhou. Ah, chaud. Exercice suivant, on passe au leg curl, on commence par le leg curl assis, pour moi le meilleur qui est au binous, donc le hammer, c'est vraiment le mieux hein, niveau bioméca, niveau conception, le matrix qui est à côté je suis pas fan, le précore non plus, et ce panata là je suis pas fan non plus, donc on reste sur la valeur sûre, hammer. Voilà, classique, pas de méthode particulière d'intensification ici. Ah, tu vois. Let's go. Deux. Yes. Elle bloque bien en bas, ça bouge pas du tout. Trois. Yes. Quatre. Cinq. Six. Yes. 7, encore. Allez.
8, encore. 2 points. 9, dernière croix. Dernière. Hop. Ouh. Ouh là. Ce sera le mot de la série. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Ah ouais. Exercice suivant, on repasse sur une extension de hanche. Donc ici, un focus aussi haut. On engage qu'avec la hanche. Là, on est sur un exercice d'ischio pur. Encore mieux avec un élastique, mais ici, on n'en a pas au binous. Donc on prend un disque et après, on se drop set en posant le disque jusqu'à l'échec. Allez, gros. Allez, encore. Grades-en, grades-en. Allez. Donc, fessiers et ischio en feu assuré. Et lombaire, zéro. Allez, allez, allez. Oui, monsieur. Parfait. C'est beau. Yes. Là, si vous pouvez voir, c'est qu'il se passe rien au bas du dos. C'est aussi pour ça qu'il arrondit le dos, pour essayer d'engager que les fessiers. Les ischios là, on les voit, ils sont tendus, donc ils sont contractés de façon isométrique. Et les fessiers directement en concentrique. Et on enchaîne maintenant directement dès qu'on a l'échec, sans poids, avec beaucoup de vitesse. Allez, serre bien. Yes. Serre à fond. Rapide. Yes, fessiers. Yes. Yes, encore. Serre. Serre. Hop. Yes. Yes, super. Mouvement suivant, on passe sur un peu de quad. Donc sur la petite presse horizontale, la gym l'écho, à balancier. Bon là, on a mis 3 PPS. Série de Vincent. Il a mis ses petites bandes, mais il a des trop grosses cuisses pour la taille des bandes. Et il a mis des petites sangles de 4 sous. Entraînement sous occlusion. Allez mon gros. Regardez la flexion de genou. Oui monsieur. Parfait. Allez. Et elle est lourde, hein. Croyez-moi là, on sent à 3 PPS on sent. Allez. Parfait. Encore, on va chercher. Allez. Oui. Oui. T'en as encore. Oui, retiens bien. Temps d'arrêt en bas. Pousse. Allez, allez. Joli. Parfait. Allez. Pousse. Tu l'as. Pas mal. RIR 1. J'essaie d'en avoir encore une, mais bon, on va pas batailler. Allez, à moi. Allez, tu l'as pas. Fais-nous voir ce que c'est d'amplitude. Allez, on sent déjà la 4 PPS, tu vois. Tu vas sentir ça. Allez. Allez, on. Yes, ça. Super. Yes. Super. Yes, bro. Let's go. Allez. Voilà, allez. On y va. Encore. Allez. Allez, voilà. Let's go. Tu vas. Hop. Encore une dernière. Dernière. Allez mon gros. Tu l'as, hein? Pas si tu l'as. Yes. Allez, dernière série ici. On a baissé un peu le poids. Ouais, tu vois, tu sais pas trop tenir de devant. Moi aussi, je préfère vraiment dessous. Baisser un peu le poids. On se fait une série à l'échec. Comme d'hab. Voilà, et puis après un petit leg extension, on va voir lequel on fait. Si mon Drax est dispo, on fait mon petit Drax. Et puis. Allez, je vous refilme un petit peu la salle pour qu'il n'y a personne.
ce temple du bodybuilding. Fait de toute beauté. Bon, tu touches? Allez là! Bon, ça fait 28 là. Allez, mon gros. Allez, on pompe, on pompe. Allez. Musculairement ça me crame. Ah ouais, bah ouais, tu et là j'ai mis, j'avais fait 10 ou 12 pieds en bas. Et t'es monté après, ouais, c'est monté après, ouais. Allez, dernière série pour ton cochon. On continue, comme il a dit. Là j'ai plus de flexion. Ouais, c'est bien. Ouais. 2 BPS, sous tension, les pieds un peu plus haut. Mais la flexion genou est super, super grande. La courbe de résistance sur l'exercice est vraiment incroyable. Ce qui fait qu'on pousse jusqu'au bout de l'exercice. Les quads sont activés du début à la fin. Allez, super. Sous tension, il n'y a pas de temps d'arrêt. Yes. Les quads ils brûlent. Deux comme ça. Encore une comme ça. Tout de suite, tout de suite. Yes, monsieur. C'est bon ? C'est bon, monsieur. Le dernier exercice de la séance, une ou deux séries de leg extension. On est sur le hammer là, histoire de se vider, puis on aura fini cette belle et grosse séance. C'est tellement blanc que j'arrive pas à faire le focus sur tes cuisses, mec. Il est pas en séance terminée. C'était fatigant. Super séance encore une fois. Avec le Tcho Vincent. Demain, on a une dernière séance, un push. Donc, du coup, c'est plutôt cool. On vous aura fait une séance pull, une petite séance jambes et une push. Donc, ouais, c'est cool. Donc, on va se finir ça. Normalement, moi, c'était les bras demain, mais je change un peu mon programme pour aller faire un push avec lui. Ça me dérange pas. C'était le jour d'après, de toute façon. Donc, c'est pas très très grave. Donc, demain, push pour la dernière séance. Je sais pas encore si je vous fais une vidéo énorme. Ou si je vous fais 3 vidéos, une par séance, je vais voir combien de temps j'ai exactement de rush. Mais je crois qu'on doit être déjà à 50 minutes facile. Donc on va voir. Mais en tout cas, c'est cool. Demain, je pense qu'on prendra aussi un peu de temps pour répondre aux quelques questions que j'ai eues sur Insta. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc nous, encore une fois, je vous fais une petite transition bouteille d'eau. Et on se retrouve plus tard. Salut vous! Bon, bah, petit changement de programme, à la base on devait faire une petite séance push avec le Tcho, sauf que le Tcho il s'est pas réveillé. Donc du coup bah, je vais me faire ma petite séance bras. Bon bah, j'avais tout pris pour filmer, donc je vais quand même vous mettre ma petite séance bras ici au Binous. Donc on est dans l'espace bras. Donc il était petit espace extérieur. Là vous avez la petite fermeture, bon hein, c'est encore en trahou, il change comme d'hab, il change tout. Et donc là par contre ils ont mis tout ce qu'ils avaient pour les bras quasiment. Pas tout mais presque. Et ils ont rajouté aussi dernièrement les trois angles. Ça, vous connaissez là ces bancs matrix là où vous pouvez vous avancer le poids. Perso je n'aime pas du tout. Mais ils ont rajouté, voilà, tout ça c'est neuf. Hein. Ils ont rajouté donc le décliné, un couché, un incliné et ils ont rajouté le banc à épaule au fond. Voilà, et puis après ils ont mis tout ce qu'ils avaient pour les bras, donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Ça, vous connaissez après. Hein. Triceps, biceps. Un biceps gymnéco, panata, nautilus. On a ici l'extension triceps panata. La Scott machine nautilus. Là, la petite pépite merveilleuse de chez gymnéco, la extension triceps. Je vais me la faire aujourd'hui. Et deux machines similaires de chez Nautilus et Matrix. Pour les bras, voilà. Après, la pupitre au fond. Ça, il y a une machine à dips au fond et encore un... Il y a encore du gymnéco là-bas pour les bras. Parce qu'il y en a une autre là-bas
avec disque dans le fond, et il y a exactement la même là-bas, mais avec charge à plaque. Là, on a encore une machine à tips de chez Matrix. Et puis pour les bras, après, ce sera tout. Hein. Salle du fond. Machine à avant-bras. Touche légible l'écho. Même chose ici. Ça, pour moi, c'est le mercredi. Et voilà quoi, les petites cordes Tryon, etc. Enfin bref, vous connaissez après, je vais pas vous refaire la salle. Petite caisse avec des accessoires. Dimanche matin, 10h, il n'y a personne, c'est le top. Et ben allez, je vous filme tout ça. Et voilà pour cette vidéo, donc je vous fais une petite outro là pendant que je suis en train de faire le montage. Ben, c'était pas du tout ce qui était prévu, mais comme je vous ai dit dans la vidéo, le Cho il s'est pas levé pour la dernière séance, donc on n'aura pas pu faire cette petite FAQ et cette outro qu'on devait faire ensemble. Bon ben, c'est pas grave, écoutez, je vous la fais là, de toute façon on aura l'occasion de se revoir avec Vincent, donc on pourra je pense refaire des vidéos. J'espère en tout cas que ça vous a vachement plu. En tout cas, les retours sur la première vidéo sont vraiment top. Moi, pareil, ça m'a éclaté. En plus, ben voilà, c'est pas forcé, avec Vincent, on s'entend bien. Donc, les séances étaient top. On s'est vraiment régalé. Et donc, ça fait plaisir de voir que vous aussi, vous vous êtes régalé. Donc, j'espère que vous allez aimer aussi cette deuxième partie, donc, de vidéo. Et si c'est le cas, bien sûr, un gros pouce en l'air. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est ça qui me donne la force et le meilleur remerciement possible. C'est gratuit, ça vous prend 3 secondes. Et moi, ça me fait grandement avancer sur YouTube. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit, nous, à très bientôt dans une nouvelle qui arrivera la semaine prochaine.